Bonsoir à tous, nous sommes le 15 septembre 2016 et comme chaque jeudi soir, place à toute l'actualité high-tech de la semaine. Le débrief donc de l'actu de cette semaine chargée en matière d'actualité high-tech, c'est maintenant et c'est Zéro en live hebdo. Jérôme Colombin, bonsoir. Salut François, bonsoir à tous. Nous sommes jeudi 15 septembre et savez-vous ce qui se passe demain, vendredi 16 septembre? C'est le week-end qui arrive? Oui. C'est ça, première bonne réponse. Pas que ça, il y a peut-être un nouveau truc qui vient de sortir ou qui va sortir. Ouais, il y a un nouvel iPhone. Ah, et bien voilà. Et vous savez quoi? Vous allez pouvoir découvrir en avant-première grâce à Pierre Fontaine qui les a. Il a deux vigiles qui l'attendent juste après le studio pour le sécuriser parce que bien évidemment, c'est sans doute la personnalité la plus recherchée de France, Pierre Fontaine. Il est avec les deux iPhone 7 et on va les découvrir rien que pour vous en direct ce soir. Bien sûr, c'est l'événement de la semaine. Nous allons parler également de la manière, tenez-vous bien, dont on contrôle et dont on gouverne Internet. Vous allez tout comprendre parce que il y a Anguille Souroche et il y a conflit en pleine gestation. Ce sera le Zoom Actu de c'est Delphine Sabatier. C'est un sujet important, bien sûr. Et puis nous irons du côté du labo avec Raphaël Grabi qui nous présentera un sérieux prétendant et peut-être même concurrent au smartphone haut de gamme. Il s'agit du nouveau Honor 8 qui véritablement est une très très bonne nouvelle. Et puis un PC portable gamer avec Aymeric Siméon. Il est peut-être pas beau, mais il est puissant. Qui Aymeric? Non, non, il est beau aussi. Ah non, je parlais du PC. Il est très puissant. Je ne me permettrais pas de dire qu'Aymeric est pas beau, non, en plus. Et Aymeric est très puissant également. Il comme est BG. Dit Pierre Fontaine. Voilà, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. C'est Zéro en live, c'est parti. Et avant de découvrir, bon, vous les voyez déjà, hein, il est là, l'iPhone 7 Plus, avant d'en parler longuement avec invité d'honneur. Pierre Fontaine. Avant tout ça, notre question 01 Net Orange, comme chaque jeudi dans 01 Live Hebdo. Oui, vous le savez, l'iPhone 7 enfin rejoint le club encore assez restreint des smartphones étanches. Alors, est-ce pour vous un critère d'achat important, l'étanchéité? Dites-le nous, vous allez sur www.01net.com et vous répondez à notre question orange du jour. Oui ou non, est-ce voilà. que ça compte? Même si on va rentrer dans le débat de l'étanchéité, vous verrez qu'il y a étanchéité ouais. et étanchéité. Et étanchéité, c'est vrai. Finalement. Voilà, allez-y sur 01net.com ou 01nettv.com pour justement nous donner votre avis concernant ce sondage. Pierre Fontaine, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, Pierre? C'est comme quelqu'un qui dort peu, mais ça va. C'est vrai. Ah, les jours de lancement d'iPhone, Pierre dort peu. Et c'est oui, ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a au moins une nuit dans l'année où il dort pas. Voilà, après, c'est le vrai. Reste, on c'est sait ça, pas après, trop, après c'est je fais des grâces hein mat tranquilles, mais voilà. Pierre Fontaine qui est avec des vigiles qui l'attendent juste là parce que Pierre, tu as quand même les smartphones sans aucun doute les plus convoités du moment et alors qu'ils ne sont pas sortis. Ils sont déjà là. Pas encore sortis, ouais. C'est demain, hein, demain que les hostilités commencent vraiment pour les deux nouveaux iPhones, le 7 qui est donc dans ma petite mimine et le 7 Plus qui est. Alors, regarde, tu peux le montrer. Je, voilà, regarde, je vais le montrer. Vous avez, alors, donc, voilà. En avant-première sur 01net TV, l'iPhone 7 en direct. Voilà, donc ce qui est amusant, c'est qu'effectivement, là, c'est la version. Noir de jet. Noir de jet. Donc, le jet étant un superbe minéral tout bien noir sûr, tout beau. Mais le jet étant une matière. Donc, c'est pas un oiseau. Oui, bon, ça va, c'est pas un oiseau. Okay. Donc, voilà, donc, et ce qui est pas mal avec il y a deux nouvelles couleurs, il y a le noir. Mat et le noir de jet, ce qui est pas mal avec celle-ci, c'est qu'ils ont travaillé, les petits gars d'Apple, les designers d'Apple, de telle sorte qu'on a l'impression que c'est un seul et même bloc, on voit plus tellement la différence entre l'écran et ouais. Le boîtier. Tu as vu les deux noirs, Pierre? Ouais, j'ai vu les deux noirs, alors le noir mat, j'aime beaucoup aussi, ouais. Et je dirais peut-être même que je le préfère, visuellement je préfère le noir de jet, mais au quotidien ouais. Je pense que le noir mat est mieux, parce que je vais faire la démonstration tout de suite. Alors donc là il est propre, hein, on va dire qu'il j'ai est vierge. J'ai passé trois quarts d'heure à le nettoyer, voilà. Et maintenant en direct, trace de doigts. Voilà, en direct je vais saloper l'arrière de la coque. Oh regardez. Mon Dieu, mais quelle horreur. Oh non, mais qu'est-ce que... Mais en plus t'as mangé quoi, du Nutella avant quoi, pour avoir des gros doigts comme ça, tout on ça on là. Avait une soirée saucisson. Saucisson, ah, là, ouais, c'est la soirée saucisson. Donc non ouais, c'est un peu... C'est un peu le problème. C'est dommage, on va dire. C'est vrai que ça salit vite et surtout il a tendance à prendre des micro-rayures aussi. Ce qui fait là, que. Tu peux nous faire un petit plan sur le smartphone.
Voilà, bah, les Rio, pour l'instant, voilà, il en a pas trop, juste un petit peu dans les bords, parce que je fais quand même attention. Et surtout, je me promène avec ma petite Attention, coque. Pierre, il faut bien le mettre devant la caméra. Je me promène avec ma petite coque. Ouais, et ce qui est bien, juste pour. S'il y a un progrès qu'il faut signaler dans cette nouvelle génération, c'est que les ingénieurs d'Apple ont enfin pensé que les boutons volume des coques en cuir étaient complètement pourris. Et ils ont donc repensé sur les anciens modèles. Et là, maintenant, ils étaient à la fois trop durs et mous, en fait. Donc c'est trop dur et mou. Ouais, et donc, ils étaient dur parce qu'ils répondaient pas et en fait ils s'enfonçaient un peu mollement alors que là ils ont remplacé les boutons cuir par des petites touches métalliques et c'est beaucoup mieux. Voilà, c'était le quart d'heure coque. J'avais tué le bouton sur la coque, c'est une révolution. C'est le détail, this is the detail. Donc le noir de jet en fait c'est bien pour les gens qui achètent un smartphone pour le laisser dans une vitrine. Bah, ou alors qui aiment avoir un beau téléphone, un très beau téléphone et qui sont pas choqués de le voir se rayer peu à peu parce qu'ils traînent à côté des clés, de la monnaie. Parce qu'à mon avis, ils se rayer à vitesse grand V d'ailleurs, même Apple, le stipule. Oui, il le précise en disant si vous avez des coques. Le noir de G, attention, si vous voulez le conserver en bon état, mettez une coque. C'est la première fois que je vois ça, moi. Oui, et c'est un petit peu dommage parce qu'effectivement, du coup, on ne voit plus tellement le design et la couleur qui ont fait qu'on l'a choisi au départ. Alors, voilà. Il est étanche, il est beau, il est noir. Il est étanche, il est IP67. Alors, je ne sais pas on en reparle ou on en parle là. On en parle rapidement, oui, bien sûr. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas vu notre test qui est en ligne depuis midi. Depuis midi aujourd'hui, test vidéo de l'iPhone. Voilà. Donc, en fait, il est comme pas mal de smartphones haut de gamme de ces derniers temps. IP67, c'est-à-dire qu'il résiste super bien à la poussière. Hein, c'est le 6 de IP67. Oui. Donc, il est super. Perdre de l'eau dans le désert, même pas mal. Mais en revanche. Faut pas perdre dans l'eau. Voilà, en revanche, ça veut dire que 7, ça veut dire qu'il tient une demi-heure à un mètre de profondeur. Donc évidemment, s'il tombe à 2 mètres pendant 30 secondes, il devrait survivre aussi. La norme, c'est ça. Donc ça veut dire que vous n'allez pas faire de la plongée ou du scuba diving ou quoi que ce soit avec votre smartphone en disant « Ouais, je vais faire des vidéos 4G au fond de l'eau. » C'est-à-dire que ce n'est pas un téléphone qui est fait pour fonctionner sous l'eau. C'est-à-dire que l'eau, pour lui, est un accident. Voilà. Pour résumer, ce n'est pas quelque chose qui est naturel pour lui. Voilà, les éclats... Moi, j'adore l'eau. Je préfère l'eau au vin, d'ailleurs. Les éclaboussures, tout ça. Même pas peur, je suis en train de faire la cuisine, de faire la vaisselle, ça tombe dedans, il s'en sortira. Je suis en train de donner le bain aux enfants, paf, ça tombe. Voilà. Ouais. Je t'interromps, on a Lucien sur Twitter qui nous demande, #01live, à propos des traces de doigts, j'imagine, est-ce qu'on peut le nettoyer sous l'eau du coup? Est-ce que pour nettoyer son smartphone, on peut le passer sous le robinet? Alors, vu qu'il y a des. Avec du scotch brite. Vu qu'il y a un petit revêtement anti-oléagineux normalement, je sais pas si le scotch brite, je dirais non, mais enfin le côté vert de l'éponge, je pense pas que ce soit une très très bonne idée. Je pense en revanche le mieux c'est quand même le petit tissu doux, le t-shirt de geek ou le petit tissu doux qu'on peut trouver un peu partout quoi. Et alors à propos de l'étanchéité, effectivement, il y a une espèce de truc bizarroïde. C'est quoi la polémique de la garantie, Pierre? La polémique de la garantie. Il semblerait que ce téléphone ne soit pas garanti contre des dégâts causés par l'eau. Bah, effectivement, dans les petites clauses, c'est assez surprenant. Alors pour l'instant, à part dire ça, c'est assez difficile d'en dire plus parce que il n'y a pas eu de cas et puis pas eu d'explication non plus de la part d'Apple sur ce qu'ils voulaient vraiment dire. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un petit capteur à l'intérieur, comme il y avait déjà dans la prise Lightning. Oui, quand il y a 4 mètres d'eau, Voilà, elle doit être un peu plus en profondeur dans le smartphone. Et si jamais on rapporte son téléphone qui ne marche plus, ils ouvrent et ils voient que le truc et qu'il y a des poissons, d'eau, c'est fini. Ouais. Et qu'il y a des poissons, ils disent non, monsieur, là, il y a un problème, il est resté trop. Mais de même que pour certains, alors c'était plus pour les Mac et éventuellement les iPads, des Mac qui tombaient en panne, qu'ils ouvraient, où il y avait beaucoup de. Vous savez, quand les gens fument beaucoup à côté de leur ordinateur en travaillant et qu'il y a un petit peu de poussière de tabac qui se dépose, ça annule aussi la garantie. Ah ouais, oula, faut pas fumer. Donc, fais gaffe, amis fumeurs bord de l'eau, fais gaffe. Bon, ça c'est pour l'iPhone 7, on va y revenir, mais l'autre grosse nouveauté, Jérôme, il est là, regardez, il en est fièrement au milieu de cette table, c'est l'iPhone 7 Plus. Voilà, le 7 Plus. Alors, moi, maintenant, c'est la troisième année, je suis un peu rodé. Je trouve qu'en termes de design extérieur, autant c'est pas choquant d'avoir des bordures sur le côté, sur le 7, et d'avoir une grosse partie en haut, autant
sur la version plus, donc 5,5 pouces. Je trouve que l'écran est aussi gros, aussi grand que sur certains smartphones Android. En revanche, le pourtour lui donne un côté massif que j'ai de la peine à digérer. Il est plus massif. Non, mais surtout en blanc. Pierre, oui, en blanc, ça fait plus sortir. Mais quelle que soit la couleur, c'est vrai qu'on se retrouve avec une espèce de gros truc dans la main, alors que pour cette taille d'écran, on pourrait avoir quelque chose de plus fin. On pourrait même dire qu'il fait un peu vieillot, ce design, finalement. Mais... Alors, quand on voit les galaxies, etc., qui sont véritablement avec des rebords invisibles... En fait, il y a un design qui a été conçu il y a maintenant 3 ans, parce qu'il y a toujours un délai, voire même plus. Pour l'iPhone 6. Alors, moi, je suis d'accord avec vous sur le design. C'est vrai que, par exemple, quand on regarde les galaxies, le Edge 7, le 7 Edge ou le Note 7, qui sont magnifiques, qui sont sublimes, mais ils tiennent moins bien en main, ils glissent plus des doigts. On ne peut pas tout avoir, les amis. C'est vrai, quand l'écran est vraiment bord à bord, voire incliné sur le côté, moi j'ai toujours un peu peur de les faire tomber. Et puis on déclenche des trucs très vite. Pour ce point de déclencher facilement les choses, on a bien vu dès l'iPad mini qu'il était possible, Apple avait réussi à mettre en place des petits algorithmes qui désactivaient l'écran quand on le tenait d'une certaine manière et faisaient en sorte que ce soit pas, le contact ne soit pas pris en compte. Donc c'est pas vraiment un argument, on sait qu'Apple peut éviter ces petits travers. Voilà, pour dire que ça sera certainement pour l'iPhone de l'année prochaine, du 10e anniversaire, qu'on verra s'amincir tout ça. En tout cas, on l'espère. Oui, parce que on va dire que l'iPhone de rupture, celui qui devrait véritablement révolutionner, en tout cas l'iPhone, devrait sortir l'année prochaine. Voilà. Ouais, de rupture, celui-là, il ne l'est pas. Malgré toutes les qualités qu'on vient d'évoquer, il a un écran toujours aussi fragile. C'est Caribou qui nous dit ça sur Twitter. C'est vrai qu'il y en a marre de l'écran de l'iPhone. Il se casse quand tu le regardes presque. Je dirais que pour le coup, il suffit de. Je pense pas qu'il y ait vraiment une discrimination iPhone particulièrement. Tous les smartphones sont hyper fragiles. Ouais. Ça m'est arrivé de faire tomber plusieurs fois mon iPhone et j'ai jamais cassé. De faire tomber une fois un Galaxy et paf. Tout dépend de la manière. Ça dépend vraiment de la manière du sous-sol, etc. Donc effectivement, c'est toujours pénible, en tout cas quand on a un smartphone qu'on a payé assez cher, de le voir casser à cause d'une petite maladresse ou d'un faux mouvement. Donc là, rien de neuf. Mais non, rien de neuf. En revanche, l'écran, alors qui n'est toujours pas OLED, ça aussi on peut le mettre sur le compte de la version de l'année prochaine, a été revu à la hausse parce que c'était un des problèmes qu'on avait levé l'année dernière lors de nos tests du 6S et 6S Plus, c'est qu'on disait la dalle LCD, elle commence à faire Retina HD super ok, mais elle commence à dater un peu. Là ils l'ont dopé. Il y a une vraie différence entre le 6S et le 7. Tout à fait. Déjà, elle est plus lumineuse. D'accord. Elle est vraiment plus lumineuse. Elle a un meilleur taux de contraste. Qu'en fait, ils ont. Alors, je sais pas si les gens se souviennent quand Apple avait lancé l'iMac 5K, ils s'étaient amusés à mettre une norme P3. En fait, c'est une abréviation d'une norme du cinéma avec des couleurs beaucoup plus, avec un gamut de couleurs beaucoup plus large. Mm-hmm. Et en fait, après avoir amené cette norme P3 dans leurs iPad Pro, ils l'ont amené dans les iPhones de cette année. Ce qui fait qu'on a des couleurs, alors effectivement, c'est pas de l'OLED, mais on a des couleurs plus contrastées, plus profondes, plus chaudes, une plus grosse diversité de couleurs. Et alors, effectivement, on n'a pas encore sauté le cap de l'OLED qui est absolument splendide, mais on a plus cette impression d'avoir une dalle vieillotte comme on l'avait l'année dernière. D'accord, donc l'écran est amélioré. L'appareil photo de l'iPhone 7, regardez, faire un petit plan. C'est l'une des grosses nouveautés et l'un des gros enjeux. C'est que, et c'est dommage qu'il soit que sur le 7 Plus, mais bon, après on comprend qu'il faut de la place pour ça. En fait, il y a deux capteurs et deux objectifs. Les deux font 12 mégapixels. Il y en a un qui est en grand angle, qui a une ouverture d'un 8, donc qui prend bien plein la lumière, etc. Et un autre qui est une sorte, alors ils appellent ça un téléobjectif, même si ça n'en est pas vraiment un. Et qui permet de faire un zoom en fait. Alors il y a un zoom optique 2x, ce qui veut dire qu'on peut grossir par deux l'image, donc ça peut être très sympa pour faire un portrait par exemple ou recadrer une image. Et la qualité d'image, vu que c'est un zoom optique, elle sera toujours très bonne. En revanche, on peut monter jusqu'à x10 en zoom numérique. Et là, de ce qu'on a vu pour l'instant, et forcément, ça se dégrade assez rapidement. Pour l'avoir un petit peu testé, on voit que ça commence à pixeliser un peu plus. Il y a un bruit qui est un peu plus fort. Mais voilà. Et on a aussi, pour ce qu'on a vu pour l'instant en termes de tests très rapides en photo, apparemment un réagencement de la façon dont ils traitent les couleurs avec des couleurs qui sont parfois un peu plus ternes. Autant avant, les couleurs étaient chaudes sur les générations précédentes, et c'était un des points forts d'Apple. Autant là, ça nous semble
un petit peu moins chaleureux. Voilà. Dernière petite question avant de laisser la parole à Delphine qui va nous rejoindre pour son Zoom Actu. Est-ce que l'autonomie a été améliorée de ces nouveaux iPhones? L'autonomie est améliorée. C'est quand même le premier point de discussion assez intense qu'on peut avoir quand on parle de l'iPhone. Pour l'instant, je ne peux parler que pour l'iPhone 7 parce que c'est le seul dont on a terminé les tests d'autonomie. Effectivement, on a nous des tests, donc les tests, ce qu'on appelle l'autonomie polyvalente, qui sont assez exigeants. On a gagné une grosse demi-heure par rapport à la génération précédente, ce qui fait qu'on a 7h48 d'autonomie. C'est l'équivalent de l'iPhone 6S Plus de l'année dernière. Exactement. En fait. Donc tout à fait ça. On peut présager le meilleur pour le 7 Plus. Voilà, 7 plus. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que ce gain d'autonomie est aussi lié à l'arrivée d'une puce plus puissante, parce que Apple a opté pour la première fois pour une puce 4 cœurs. Et c'est pas 4 cœurs de bourrin, c'est 2 cœurs puissants et 2 cœurs économes en énergie qui donc vont traiter tout ce qui est interface et autres. Et dès qu'on a besoin par exemple de lancer un jeu, etc., on passe au processeur plus puissant, mais ça veut dire qu'on économise sa batterie le plus longtemps possible. Bien, alors il y aura encore bien sûr beaucoup de choses à dire. Il y a pas mal de questions sur Twitter. Moi je vous propose un truc. C'est que on réponde à toutes ces questions prochainement quand on aura fini tous les tests, parce qu'il y a encore, tu l'as dit, des tests d'autonomie, des tests de photos qui sont en cours actuellement. Donc quand on aura tous les éléments, on se retrouve ici, par exemple jeudi prochain. Quoi? Écoutez, voilà. L'iPhone. Allez, ça roule. Jeudi prochain. Pour vous voyez qu'ils sont étanches. Jeudi prochain, après le Zéro en la vie hebdo, à partir de 18h30, on vous réserve une demi-heure entière pour répondre à toutes vos questions concernant ces nouveaux iPhones qui sont attendus, bien sûr. Et on voit que, vous avez plein de questions. Donc ce sera jeudi prochain, notez-le, juste après le Zéro en la vie hebdo. Merci Pierre. Merci beaucoup Pierre Fontaine. Tout de suite, c'est Delphine Sabatier qui nous parle de la régulation et du contrôle d'Internet. Notez que juste après Delphine Sabatier, nous retrouverons le Labo 01net avec Aymeric Siméon qui nous a dégoté un bon PC gamer, mais bien costaud comme il faut. Il m'a dit il n'est pas très beau, mais c'est une tuerie. Écoute, voilà, c'est un peu comme vous, finalement. Non, voilà, c'est ça. Je plaisante. Hashtag 01live, si vous voulez réagir en direct, et on est ravis d'accueillir Delphine Sabatier. Bonsoir Delphine. Bonsoir, mais vous êtes très beau, rassurez-vous, tout va bien. Oh, c'est gentil. Oh, c'est gentil. C'est vous la plus belle des trois. Ça, c'est sûr. Ouais. C'est pas si je suis la seule. Merci. Ça, je confirme véritablement. Bon, on parle Delphine, de quoi alors? Qui contrôle Internet? Google, Facebook et les... C'est pas nous. C'est pas nous, mais c'est quand même un petit peu, et ça on a tendance à l'oublier, c'est un petit peu les autorités américaines. Absolument. Le gouvernement américain. Et ça, les géants Google, Facebook et d'autres n'en veulent plus. Alors, dites-nous d'abord, comment est-ce que l'État américain gouverne et contrôle Internet? Oui, un petit rappel. Donc, le département du commerce américain a totalement la main mise, finalement, sur un organisme qui est crucial pour le bon fonctionnement d'Internet. Il s'appelle l'ICANN. L'ICANN, juste je rappelle, c'est vraiment le régulateur d'Internet. Il gère l'ensemble des ressources aujourd'hui du web. Plus particulièrement, on sait qu'il attribue, par exemple, les noms de domaine de premier niveau, les .com, les .org. Les ressources techniques, mais pas les contenus, noms de domaine de pays, etc. Voilà. Il gère aussi les serveurs racines de ce système de gestion de domaine. C'est un peu le CSA d'Internet au niveau mondial. C'est le CSA, c'est l'ARCEP des télécoms. C'est un peu l'ARCEP de l'Internet, plus l'ARCEP que le CSA. L'ARCEP, d'accord. Ouais. Il gère vraiment de la ressource technique. Donc, c'est évidemment une organisation internationale, vu sa mission. Elle réunit des représentants des États, des grandes entreprises, des experts, mais elle reste, comme je disais, à ce jour, vraiment pieds et mains liés avec le gouvernement américain. Alors, c'est un état de fait qui s'explique très bien, qui n'est pas du tout illogique, puisque l'ICANN est né d'une directive, du ministère du commerce américain. Et c'est une tutelle gouvernementale donc qui devait prendre fin en 2009. Donc, nous sommes en 2016. Ça a été plusieurs fois repoussé. Et là, la nouvelle échéance, c'est le 1er octobre. Alors justement, Delphine, qu'est-ce qui va se passer le 1er octobre? C'est demain, le 1er octobre. Oui, ça va aller vite. Enfin, alors logiquement... oui, on avait compris, c'est une image. logiquement, on devrait vraiment sortir de cette délégation de service entre le gouvernement américain et l'ICANN. Tout le contrôle devrait revenir cette fois à l'organisme international. Mais on peut dire que rien n'est joué vraiment pour l'instant parce que le Congrès américain peut encore une fois s'opposer à cette transmission des responsabilités. Ils peuvent encore une fois gagner un an supplémentaire. Mais quels seraient les arguments du Congrès pour obtenir ce nouveau délai?
Alors, il y a quand même une partie des membres du Congrès qui avance le fait qu'on va donner les clés d'Internet à des pays qui ne sont pas des pays américains, qui peuvent être des pays puissants comme ça, la Chine, n'aiment pas les pays qui sont pas américains. La Russie et des pays totalitaires. Et donc, on pourrait du coup priver Internet de la liberté dont il jouit aujourd'hui. C'est vrai que là, on est vraiment dans une angoisse qui touche particulièrement d'ailleurs la frange conservatrice du Congrès. Et c'est un enjeu de pouvoir. Ça fait quand même 20 ans que les États-Unis ont l'entier contrôle de cet organisme. Donc le laisser passer entre d'autres mains, ce n'est pas forcément évident. The Internet connects over 3 billion people. D'accord. Bah, écoutez, moi, je peux y aller si vous voulez. Oui. Et alors, pourquoi Google ou Facebook veulent que le gouvernement américain laisse l'ICANN prendre son indépendance, en fait ? Alors, tout simplement parce qu'eux aussi veulent avoir les mains libres. Hein, évidemment, ils ont envie de pouvoir participer pleinement aux décisions et ne sortir d'un système où c'est un gouvernement qui décide ce que sera demain Internet. Et puis, c'est quand même déjà aujourd'hui l'ICANN un système qui travaille de manière multipartite. Donc voilà, les acteurs du web rassurent en disant « Attention, on a l'habitude de prendre déjà des décisions à plusieurs. Il y a des garde-fous qui existent, qui permettent de garantir les droits de l'homme, la liberté d'expression sur le réseau. » Et ils rappellent aussi, et ça on l'a tous en tête je crois aujourd'hui, quand même l'affaire Snowden, avec les écoutes massives de la NSA. On ne peut plus, je crois, aujourd'hui, en 2016, accepter qu'un gouvernement comme ça ait l'entier pouvoir sur ce réseau Internet. C'est très dangereux, oui. Voilà, il est temps qu'on passe à un système vraiment mondial, multipartite, collaboratif. Et l'enjeu, c'est vraiment de garder un Internet qui soit neutre, qui ne soit pas au service d'un gouvernement et donc qui soit absolument global, sans différence entre les différents pays. Mais c'est vrai que c'est un problème qui dure depuis des années, cette histoire-là. Et... on en sera peut-être plus le 1er octobre. On verra. Merci Delphine. Merci beaucoup Delphine. Directrice des rédactions de 01net.com. À la semaine prochaine Delphine. 18h22, toujours le hashtag 01live pour poser vos questions. Direction le labo tout de suite. Mais juste avant, la question 01net. Ah oui. Allez, on y va. Du jour et de la semaine. L'étanchéité des smartphones est-elle un critère d'achat pour vous ? Ben, on est un peu 50-50. Bon, c'est plutôt non que oui. Mais ça se dit, c'est assez équilibré quand même. Hein. N'hésitez pas, continuez, vous pouvez voter. www.zeronet.com. Merci pour cette analyse fine, Jérôme. Oui, qui était, je pense que mais je vais faire, comme toujours. Je pense que je vais faire analyste sondeur. Ah oui, hein, oui, ça c'est bien. C'est bien. Pas mal. J'ai analyste un bel avenir, sondeur, ça, je pense que tu peux ajouter ça sur ta page LinkedIn. Merci beaucoup et tout de suite donc, direction le labo. Et direction maintenant le labo 01net avec Aymeric Séméon qui est là. Bonsoir Aymeric. Bonsoir. Bonsoir Aymeric. Alors bonsoir. Juste, il va nous dévoiler dans un instant une espèce de mastodonte de puissance et son gros ordi qu'il a à côté. Et Raphaël Grabi nous a rejoint aussi. Salut Raphaël. Salut. Salut Raphaël. De avec la rédaction de 01net.com bien sûr. On va parler de smartphone pour commencer. Ouais. Raphaël, il n'y a pas que l'iPhone dans la vie. Non, il n'y a pas que l'iPhone. Il y a un super smartphone qui est sorti il n'y a pas très longtemps aussi, que moi j'ai beaucoup aimé. Vous avez évidemment le test sur 01net. C'est le Honor 8. Pour rappeler, Honor, c'est la filiale de Huawei, un petit peu destinée aux jeunes, entre guillemets. Sauf qu'en fait, ils font des super smartphones que je ne recommande pas du tout qu'aux jeunes, évidemment. Mm-hmm. Et donc, leur dernier, c'est un peu leur flagship. Ça s'appelle le Honor 8. Alors, pour faire simple, c'est un peu le Huawei P9 en version un petit peu moins chère. Light. Ouais. Mm-hmm. Light. Il a un super joli design, tout en vert. C'est vraiment sympa, assez brillant. D'ailleurs, ça ressemble un peu au noir 2G. Tu peux me montrer la oui, caméra. C'est vraiment, on dirait un noir 2G. Un peu le noir 2G de l'iPhone. Ouais. Ou un peu le bleu qu'on attendait pour ou le bleu qu'on aurait pu qu'on n'a pas eu, d'ailleurs. Ouais, si on le voit ici. Ah, il est très joli. Alors, tu as une coque, là, non ? On va peut-être alors, j'ai mis une coque parce que, justement, j'allais en venir au défaut. J'enlève la coque. Alors, attention, parce que là, hop, on va montrer. Sans coque. Voilà. On le voit. J'ai mis une coque pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il glisse très facilement des doigts. Je sais pas, je l'ai mis sur la table, il y avait une toute petite inclinaison, limite. Il est tombé par terre, donc il glisse vraiment tout seul. Il fait un peu peur, on dirait qu'il bouge tout seul. Ah oui, donc vraiment, je recommande la coque. Pareil pour l'écran, qui prend assez facilement les petites rayures. Donc c'est un smartphone qui est très sympa, mais c'est souvent le cas avec les designs comme ça, tout en vert. C'est pareil avec le S6, même si celui-là est un petit peu plus fragile encore.
Donc c'est le genre de smartphone qu'il faut vraiment protéger. Mais sinon, bon, il a un écran Full HD qui est très joli. Il est rappelons que tu as fait ces images sur dans ta piscine personnelle. Ça, c'est ma piscine, voilà. Enfin, c'est l'annexe. Bon, c'est dans l'annexe de la piscine. Il y avait une petite fête derrière, tu avais invité un peu de monde. Un petit apéro en fin de journée. C'est toutes les semaines chez Raphaël. C'est comme ça. Tu n'étais pas. Non, j'étais pas là. C'est après live. J'avais piscine. C'est soir, c'est after work. Et oui, donc il a le Kirin 950, c'est le processeur quasiment le même que le P9 qui a le 955, 2,3 GHz et 4 Go de RAM. 4 Go, oui. 4 Go de RAM. Après la vache Kirin. Avec des flageolets. Faut les manger. Hein, c'est, 4 Go de RAM. Ça reste un peu sur l'estomac, c'est mais mal. C'est puissant. Je suis désolé, mais on va être obligé de l'isoler. Hein. 4 Go de RAM, là, écoute, voilà, elle est bien. Voilà. C'est un peu comme le noir de G. Elle sera bien voilà, sur Facebook. Notre voilà. Noir de... Ne remue pas le couteau dans la clé, s'il te plaît, là, Raphaël. C'est pas très sympa. On peut faire des gigots de G aussi. Hein, oui, c'est vrai, oui. Exactement. Et bon, et 32 gigas de stockage. Il y a un capteur d'empreinte digitale à l'arrière. Et comme le P9, donc il y a un double capteur photo. Ouais. Alors la différence, c'est que le P9 avec Leica, on avait les photos nativement en noir et blanc qui arrivaient. Là, on ne les a pas. Bon, il faut bien trouver un petit argument pour on va dire, assumer la différence de prix. Alors, on va juste, voilà. Comme on est en direct, on le montre voilà. Un petit peu. Est-ce qu'on voit ? Là, on voit les doubles capteurs sur le côté. Voilà. Et les photos, d'ailleurs, sont très, très bonnes, hein, même en basse luminosité, en fait. Donc, pour expliquer, c'est le capteur monochrome qui permet d'avoir plus de lumière qui rentre, oui. Parce qu'il n'y a pas ce filtre RGB. Et au final, on a des super couleurs, des super images, même en basse lumière. L'autre petit point faible, ça va être, on va dire, l'autonomie qui n'est pas extraordinaire. Là, vous voyez, je l'ai utilisé toute la journée. Et donc, qu'est-ce qui se passe au bout de la... Et donc, je suis déjà quasiment à plat. Donc c'est un petit peu limite. C'est pas un smartphone très endurant. C'est à cause des 4 Go RAM, non ? À cause des 4 Go, c'est très lourd, ça consomme beaucoup. Et on va dire, en gros, c'est le concurrent du OnePlus 3. C'est le même prix. Le OnePlus 3, si vraiment vous aimez le côté puissance à fond, il reste un petit peu moins puissant que le OnePlus 3. Par contre, si vous aimez le design un petit peu plus léché, etc., celui-là, c'est vraiment un coup de cœur. Super, parfait. Voilà. Merci beaucoup, Raphaël. L'Honor donc, 8. Le test à lire le sur zeronet.com. En vidéo également, je crois. Ça arrive très bientôt. Ah, la vidéo arrive prochainement. Mais ce qu'il y a d'incroyable, c'est que de génération en génération, Huawei Honor progresse à une vitesse folle. Ouais, mais quand on voit ce qu'on a pour 400 euros, honnêtement, l'expérience vraiment globale par rapport à un Galaxy S6, moi j'avais un Galaxy S6, c'est quasiment la même. Donc pour dire d'une année sur l'autre, on arrive. Donc vraiment ça. Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment ça. C'est, pour 400 euros, on a quelque chose qui rivalise vraiment avec les flagships, avec les smartphones qui en coûtent 800. Donc là, attention à Samsung, après, attention les autres. La batterie, tout ça, machin. Oui, enfin bon, oui, c'est vrai. Ok, parfait. Merci Raphaël. Bon, alors maintenant un appareil un tout petit peu plus gros, mais vraiment léger. Hein. Je vois pas du tout de quoi tu parles. C'est le PC d'Emric. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Emric, c'est notre spécialiste gaming, hein, vous le savez, à 01net. Et il est venu avec un PC portable gamer de brut. Alors, de brut, oui. Oui et non. Ah bah tiens, il m'a déconnecté. Bon, c'est pas grave. Alors, c'est le XMG P507 Pro Gaming. Alors, le nom barbare, on va s'en débarrasser très vite, on va se contenter de l'appeler P507 hein, pour les besoins du scénario. Et bien, c'est une machine qui a la particularité d'être équipée des toutes dernières cartes graphiques Nvidia pour PC de portable. D'accord. Cet été, enfin un tout petit peu avant l'été, Nvidia avait lancé ses nouvelles cartes graphiques pour PC de bureau, donc les GTX 1080, 1070, 1060, puis plus tard la Titan X à 1300 €, dont tous les tests sont bien sûr à retrouver sur 01net.com. Et bien cet été, mi-août, Nvidia a dévoilé les nouvelles puces pour ses PC portables. Alors, d'ordinaire, les composants graphiques sur PC portable, même quand ils sont faits pour les gamers, on a tendance à avoir un sérieux gap de performance entre ce qu'on peut avoir sur une carte graphique de PC de bureau et une carte graphique de PC portable. Et bien là, Nvidia a presque réussi un sacré tour de force, puisque que ce soit les 1060, 1070 ou 1080, attention, on va tourner vers vous, juste pour vous montrer. On a la même puissance que sur un PC de bureau. Quasiment, mon bon monsieur, presque. À quelques points près. Alors, le test est à venir sur 01net.com. Bon, j'espérais pouvoir faire tourner World of Warcraft Légion, là, mais bon, il m'a déconnecté le temps qu'on parle du Honor de Raphaël. Tout ça pour vous dire que, grosso modo, en termes de performance, en Full HD, c'est juste terrible. C'est-à-dire que j'arrive à avoir à peu près les mêmes performances, tant sur la plateforme de test au format PC de bureau du labo, que là-dessus.
Alors, bien évidemment. J'imagine que le prix est. Alors, non. Eh ben non, même pas. Eh ben non. Enfin, bien sûr, ça coûte pas 400 euros. Hein, on parle de machine de gaming. Oui, bien sûr. Donc, cette machine-là, elle commence à partir de le prix de départ 1700 euros. La machine que j'ai là, elle vaut moins de 2500 euros. Et à l'intérieur, j'ai du SSD en pagaille. J'ai un des derniers Core i7 d'Intel, donc un gros processeur. J'ai 16 Go de RAM. J'ai la fameuse 1070. Je te coupe, c'est 16 Go de RAM. Oui, pardon. Parce que 16 Go de RAM. Chez nous, ce sont des Go. Pardon, voilà, c'est ça. Je suis désolé. On a un peu faim. C'est la chaîne gastronomie. Je ne le referai plus, je suis désolé. Donc on a 16 Go de RAM et la fameuse 1070 de Nvidia. Je viens de choper une petite question sur YouTube. Ouais. La ventilation, c'est quoi? C'est du bon gros ventilateur? Alors, il y a trois ventilateurs à l'intérieur de la machine. Il y en a deux juste pour la carte graphique. Un pour le processeur. Les mesures de bruit que nous avons effectuées au labo nous indiquent que la ventilation lancée à pleine charge on arrive à 42 décibels. Donc, ce qui est certes audible, mais ce qui n'est pas non plus complètement fou pour la puissance. C'est pas gênant. Ouais. Bah, c'est pas gênant, surtout que la plupart des gamers ont un casque sur les oreilles quand ils jouent. Oui, donc finalement, ça va peut-être plus un tout petit peu embêter l'entourage. Mais ça reste tout à fait, on va dire, normal. Oui, correct, pour ce type de machine. Voilà, bien sûr. Voilà. Comme par exemple, c'est une machine qui est autonome, il y a une batterie, mais c'est alors, c'est pour jouer, non, j'imagine, alors, pour jouer. Pas tant que ça, finalement. Que ça ouais, on, tire, alors, on arrive à tenir un petit peu en batterie. Oui, un petit peu. Alors, il y a plein de techno Nvidia, on va pas revenir dedans, je reviens dessus dans le test. Il y a juste quelque chose qui s'appelle le Battery Boost, qui est une technologie propriétaire d'Nvidia, et qui permet, en théorie, de pouvoir vous permettre de jouer de façon correcte, en réglant en fait le nombre d'images par seconde affichées par la carte. Donc on fait moins consommer d'énergie quand on est sur batterie. En fait. Voilà, et on demande à la carte de brider à ses performances pour essayer de faire en sorte que la batterie ne tombe pas au bout de 15 minutes. Et j'ai réussi à le faire tenir à peu près une heure et demie. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mais il n'y a pas de grosse différence par rapport à ce que j'arrivais à faire avec d'anciennes cartes. Donc là-dessus, il y a peut-être encore un peu à travailler. Par contre, en perf pure, c'est bien. C'est vraiment bien. C'est même étonnant en fait. Voilà. À suivre, et c'est le premier d'une nouvelle génération de PC portables. Voilà, on peut imaginer que d'autres constructeurs vont intégrer alors, la plupart ces nouvelles cartes graphiques. Sont déjà au labo. On rappelle le nom de la marque. Alors, la marque, c'est Schenker Technology, et en fait, c'est des PC XMG. Voilà. XMG. C'est une marque allemande. Enfin, c'est un distributeur allemand. On va pas rentrer dans les détails, grosso modo. D'accord. Il achète des châssis à droite, oui, il les compose. C'est un assembleur. D'accord. Il les compose et il les vend. Ouais. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Émeric. Je vous en prie. Et c'est avec toutes ces bonnes choses que se termine ce 01 Live Hebdo. Jérôme, on se retrouve bien sûr très vite, hein, puisque toute l'actualité high-tech, vous le savez, se poursuit sur 01 Net TV. Un dernier mot sur notre question 01 Net Orange. L'étanchéité est-elle pour vous un critère d'achat de smartphone? Voici le résultat actuel du sondage. Non à 57% et oui pour 43% d'entre vous. C'est étonnant, hein. Bon, je pense que on s'est habitué au fait qu'il soit pas étanche. Ouais, mais je pense que les 57% n'ont jamais eu de problème, je pense, de smartphone qui tombe dans l'eau, quoi. Parce c'est que c'est vrai que ça dépend peut-être. Je sais pas si on focalisait le sondage sur le sud de la France, par exemple. Oui. On pas, voilà, je pense c'est que ça. Dans la piscine de Raphaël, il y a moyen d'en perdre plus d'un. Mais d'ailleurs, tous les soirs, il en récolte plein parce que les gens n'osent pas les ramasser. Tout le monde n'a pas de piscine comme Raphaël. C'est ça. Voilà, ce 01 Live Hebdo terminé. Merci à Raphaël Grabli, merci à Émeric Siméon. On remercie tout le monde ici, bien évidemment. Noémie qui est là. Noémie et Pierre Thiolin qui assuraient la réalisation technique comme des grands. En plus, ils étaient tout seuls aujourd'hui parce que il se passe des choses dans l'équipe de 01 Net TV. Et on fait un gros bisou à Esmé. Qui est Esmé? Eh bien, c'est le nouveau petit bébé de Jean-David Duarte qui, vous le savez, réalise ce 01 Live Hebdo. Eh bien, voilà, il n'est pas avec nous parce qu'il est papa d'une jolie Esmé qui est née hier soir. On leur souhaite bravo, plein de bonheur, Esmé. Bien sûr, ici. Ainsi qu'à la maman, bien évidemment. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous, et rendez-vous demain pour toute l'actualité high-tech sur 01 Net TV. Salut à tous, bonne soirée.